Suite aux mesures mises en place par l'État concernant la crise sanitaire actuelle, l'école des courses hippiques a malheureusement annulé sa journée porte ouverte. Cette année, on s'est dit on doit s'adapter, donc nous avons mis à la place une matinée digitale le samedi 21 mars, qui était une réussite. Donc nous avons organisé en fait des lives sur Facebook et Instagram avec deux de nos chefs d'établissement de Trou et de Galop. Pour répondre aux questions en direct en fait des internautes, donc c'était une belle réussite. Nous avons également présenté en fait des vidéos des écoles et des métiers. Et puis nous avons décidé de renouveler cette opération en sachant que le confinement est toujours en cours, donc a été prolongé. Et c'est surtout une période où les jeunes sont outre connectés sur les réseaux sociaux. On s'est dit on va en profiter. Et donc l'idée c'est de renouveler cette action avec une nouvelle matinée, donc le samedi 9 mai, à partir de 10h sur Facebook et Instagram, avec des rediffusions du live, donc avec des questions et réponses sur les écoles et les formations et les métiers. Et puis après, il y aura un tutoriel sur la nouvelle procédure d'inscription, parce qu'auparavant, on invitait des jeunes pour faire un stage découverte, qui malheureusement ne sera pas possible, étant les conditions, ce ne sera pas possible cette année. Donc en fait, la nouvelle procédure, c'est de tout simplement remplir un formulaire qui se trouve sur notre site internet afasec.fr, et puis après vous serez convoqué pour une journée d'intégration, on espère pendant le mois de juillet, et puis après vous aurez bien sûr votre place à la rentrée. Donc nous accueillons toujours à partir de la quatrième, donc il y a le quatrième et troisième section cheval, après il y aura le CAP, le bac pro et le BTS bien sûr. Après nous avons un programme renforcé aussi des formations adultes, et bien sûr les formations vont continuer pour les salariés qui sont déjà en activité professionnelle dans les courses hippiques. Tout en sachant que malgré la situation très particulière, le recrutement continue. On augmente vraiment les efforts en fait pour recruter pour la rentrée et pour attirer de plus en plus des jeunes vers les métiers des courses hippiques. Tout en sachant aussi que c'est quand même un secteur qui embauche, donc c'est rare d'avoir un secteur où il y a un apprentissage et puis un emploi quasiment garanti à la fin. C'est pour ça, c'est vraiment un message très fort pour les jeunes, pour les parents, que c'est une formation qui mène vers un emploi. Juste pour rappeler, donc samedi 9 mai à partir de 10h sur Facebook et Instagram, donc il ne faut pas hésiter en fait de nous rejoindre. Et là, il y aura toutes nos équipes aussi qui seront en ligne pour répondre aussi aux questions. Ou sinon, c'est aussi possible en fait de prendre rendez-vous directement avec l'école après, que ce soit par téléphone ou par visio ou WhatsApp ou Messenger, comme vous voulez. Donc nous vous invitons tous à nous rejoindre le samedi 9 mai.